Salut tout le monde, c'est Carna Fishing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les coloris de leurre que j'utilise en mer, notamment pour le loup, qui est le bar des Méditerranées, pour la dorade, pour la sèche et le calamar. Donc, on va commencer par le loup, les coloris de leurre pour le loup. Donc, il faut savoir qu'en Méditerranée, comparé à l'Atlantique, la mer est très calme souvent. Donc, l'eau est souvent très très claire. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser des leurres vraiment avec des couleurs très naturelles, des couleurs pour ainsi dire imitatives, qui imitent le poisson fourrage qu'il y a sur notre spot de pêche. Donc si on va pêcher sur un spot qui a plutôt des sardines, donc on va prendre bien sûr des coloris imitation sardines, voilà, comme ce Samy de chez Lucky Craft. Voilà, ça c'est coloris Aurora Black. Vous voyez par exemple s'il y a beaucoup de soleil, les leurres comme celui-ci qui émettent beaucoup de reflets sont vraiment à privilégier. Vous voyez, ça attire bien le carnassier. Vous voyez ces reflets. Voilà. Celui aussi, il émet beaucoup de reflets. C'est un leurre imitatif avec des reflets. Voilà. Donc ça attire bien le carnassier. Voilà. Ça paraît le Beffrees. Coloris Aurora Black, ouais, superbe reflet. Ça c'est l'artiste de chez Jackson. Ça c'est vraiment un leurre top en Méditerranée, quoi. Très utilisé, il marche super bien. Ça c'est le Black Minnow, très connu aussi. Voilà. Ensuite il y a aussi donc la couleur macro, voilà, avec ce vieux Big Big de chez Rago. Un très vieux leurre. S'il y a plutôt du mulet, on va utiliser d'un coloris mulet ou muge. Voilà, donc ça c'est la Suri. Ça c'est le mini spook de chez Eden. Voilà, coloris mulet aussi. Très bon coloris celui-là. Coloris mulet du Tide Minnow Sprint. Alors, ce leurre-là vraiment il marche super bien sur le loup. C'est un peu comme. C'est un peu l'équivalent de l'artiste de chez Jackson. Voilà. Ils vont très très bien. Après, imitation civelle. Vous voyez. Ça, c'est vraiment très imitatif. Hein. On dirait vraiment une civelle. Ça, c'est le lançon de chez Delalande. Vous voyez, s'il y a un très grand soleil, donc je vous avais dit qu'il faut privilégier les leurres qui émettent des reflets. Mais également les leurres transparents, comme celui-ci. Vous voyez. Le soleil va venir se refléter en fait dedans, ouais. Comme ceci, ou comme ce One Up Shad là, vous voyez, coloris transparent, translucide, avec des paillettes bleues, un petit peu blanc en dessous, vraiment une couleur qui marche super bien en mer. Voilà, ensuite une autre catégorie, c'est celle qui ressemble à des petits alevins en fait, à des éperlans. Chez nous en Méditerranée, on appelle ça des jolles. Vous voyez, comme ce Black Minnow, ça c'est vraiment une copie, voilà, c'est vraiment très bien imité. Vous voyez ces petits poissons, en fait c'est les petits poissons qu'on mange en tapas en friture. Voilà, vous voyez c'est un petit peu vert au-dessus. Voilà, il y en a un autre là, le Flash J de chez Haro. Voilà, pareil pour ce One Up Shad. Et là, du coup, j'ai repeint un Barn 50 de chez Caperlan. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tuto où je repeins mes leurres. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà. Ça, c'est le célèbre Flash Minnow de chez Lucky Craft. Coloris Ghost Minnow. Ça, je crois que pour moi, c'est le meilleur coloris naturel qui existe. Enfin, pour moi, je parle bien sûr. Voilà, aussi bien en mer qu'en eau douce. Pour moi, c'est mon coloris préféré naturel. Vous voyez, c'est un ghost, donc il est translucide, comme je vous ai dit. Les rayons du soleil passent à travers, donc ça éblouit bien. Et là, pareil, ça c'est le Beffrees de chez Lucky Craft, coloris ghost minnow, pareil. Vous voyez, les rayons du soleil passent bien à travers. Voilà, ça attire bien le carnassier. Voilà, et ensuite, voilà, une imitation parfaite de calamar. Ça, c'est un leurre de chez AliExpress. À 3 euros, je crois.
Je fais une vidéo sur Soler d'ailleurs, vous verrez la nage en piscine. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ouais, j'ai toujours pas essayé, mais bon, à mon avis, ça doit bien bien marcher sur le loup, quoi. Voilà pour les leurres naturelles. Donc voilà, en fait, si l'eau est très claire, utilisez des leurres imitatifs et essayez de vous rapprocher du poisson fourrage qu'il y a sur votre spot de pêche, en fait. Donc voilà. Ensuite, si l'eau est claire, mais par exemple qu'il fait un temps assez nuageux, donc il fait assez sombre, donc là, pareil, on utilise des coloris naturels, mais on peut aussi utiliser du blanc, coloris blanc, comme ce Tide Minnow Sprint chez Duo, ou le Flash Minnow 110. Voilà, parce que le blanc sur un fond sombre, un fond nuageux, se détachera mieux, donc le poisson voilà, le verra mieux. Donc voilà, coloris blanc à utiliser s'il fait un temps sombre. Ou alors, bien sûr, utiliser les coloris naturels aussi. Donc voilà. Ah oui, en passant par là, le coloris blanc, c'est vraiment un coloris passe-partout. Donc moi, je vous le conseille vivement. Il faut toujours avoir un dans sa boîte. Il marche aussi bien en eau douce qu'en mer. Enfin voilà, c'est vraiment un coloris passe-partout, comme je viens de vous dire. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au coloris de leurre si l'eau est trouble. Voilà, tout à l'heure. Donc maintenant, on se retrouve pour les coloris de leurre lorsque l'eau est trouble. Donc en fait, lorsque l'eau est trouble, on va plutôt se diriger vers des coloris plutôt flashy. Donc en Méditerranée, on va quand même rester sur des couleurs assez sobres. Donc le blanc, comme je vous ai dit, c'est une couleur passe-partout. Vous voyez comme ce ragoût. Un coloris qui marche très très bien quand l'eau est trouble. Voilà, comme ce Flash Minnow aussi. Le Tide Minnow Sprint. Le Mini Spook, ça c'est un blanc nacré. Le Z-Claw. Ensuite, on peut passer aussi à des coloris Marlboro. Voyez, avec du rouge, ça fait imitation sang un peu. Voilà, coloris qui marche très bien par eau trouble. Voilà, ce Saruna aussi, coloris Marlboro. Le célèbre Sandra de chez De La Land. Et le Super Spook. Voilà, aussi on peut passer sur du coloris. Jaune fluo et blanc, c'est coloris un peu anchois, on va dire, entre guillemets. Voilà, comme ce Black Minnow, comme ce Tide Minnow 90, et comme ce Art Spencil. Voilà, coloris aussi qui marche assez bien sur le loup. Par au trouble, c'est le rose, comme ce Black Minnow. Voilà, ce Ketek. Et autre coloris aussi qui marche pas mal, c'est le coloris vert chartreuse, comme ce One Up Shad. Ça, c'est l'imitation du One Up Shad. C'est le Easy Shiner. Voilà, vous le trouvez sur AliExpress. Il est vraiment pas cher, quoi. Et où ce Z-Claw, vous voyez, couleur chartreuse. Voilà. Donc, vous voyez, par eau trouble, des coloris assez flashy. Par contre, ça c'est les règles de base, vous voyez, par eau trouble, leurre flashy. Mais par contre, moi ce que je fais, quand j'arrive, c'est l'eau est trouble, pendant 20 minutes, je pêche avec un leurre flashy. Et si j'ai pas de touche pendant 20 minutes, quand je vais changer mon leurre, au lieu de prendre un autre leurre flashy, je vais prendre un coloris naturel. Là, je vais pêcher, si pendant 20 minutes j'ai toujours pas de touche, je vais changer de leurre et je vais remettre un coloris flashy. Vous voyez, il faut pas hésiter à casser les règles, à casser les codes. Donc voilà, si vous partez sur du flashy, n'hésitez pas, au bout de 20 minutes, si vous n'avez pas de touche, à partir sur une coloris naturelle. Voilà, il ne faut pas hésiter à casser les codes, comme je viens de le dire. Voilà, ça c'est pour les eaux troubles. Attendez, un autre truc important aussi que j'ai oublié de dire. Par exemple, si vous arrivez sur un spot de pêche où l'eau est très claire, que vous vous dites, il me faut une coloris naturelle du coup, mais vous ne savez pas pourquoi, vous avez une intuition qui vous dit de... Voilà, vous avez un leurre et vous dites, ah, il faut que je mette ce leurre, je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Même si la couleur vous paraît inappropriée, il ne faut pas hésiter à tenter. Si vous avez une intuition, des fois, c'est pas pour rien. Et voilà, ça peut marcher, ça peut faire la différence. Moi, une fois, j'ai fait mon plus gros loup. Je suis arrivé sur un spot de pêche. C'était un canal. L'eau était très, très claire, voire translucide. Il n'y avait pas un vent. Il y avait vraiment, c'était très ensoleillé. Voilà, c'était super calme. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une intuition de mettre coloris assez flashy.
Voilà, ceux de la Land coloris Marlboro, assez flashy, parce que l'eau était vraiment très claire. Et pourtant, j'ai fait mon plus gros loup. Donc voilà, des fois, il faut suivre son intuition, ça c'est vraiment très important. Voilà, suivre son intuition. Et ne pas hésiter, comme je vous ai dit, à casser les règles de base. Voilà, à casser les codes. Voilà, ensuite pour la nuit, moi j'utilise, si la lune est noire, qu'on est vraiment dans l'obscurité, plutôt des coloris blancs, voilà, comme ça, ou coloris, voilà, un choix, toujours du blanc, assez flashy, vous voyez, si c'est vraiment l'obscurité, même du rose. Par contre, si c'est la pleine lune, où il y a vraiment beaucoup de luminosité, là je veux plutôt mettre des leurres naturelles type sardine, mulet. Mais là voilà, encore c'est pareil. Il ne faut pas hésiter, si vous voyez que pendant 20 minutes ça ne mord pas, il ne faut pas hésiter à passer ensuite au coloris opposé à celui qu'on a mis de base. Donc, par exemple, si c'est la nuit, la lune noire, c'est vraiment obscur, que vous avez commencé avec du coloris blanc, si vous voyez que ça ne marche pas pendant 20 minutes, n'hésitez pas à mettre un coloris naturel. Voilà. N'hésitez pas, il faut pas hésiter à, comme je vous dis, à casser les règles quoi. Donc voilà pour les coloris des leurres pour le loup. Donc voilà, en général c'est plutôt ça. Si l'eau est claire, plutôt des leurres naturelles. Et si l'eau est trouble, plutôt des leurres flashy. Donc voilà, maintenant on va passer au coloris des leurres pour la dorade. Tout à l'heure. Donc maintenant on va passer au coloris des leurres pour la dorade. En ce qui me concerne, moi je pêche la dorade en ultra light, une période bien spécifique au mois de septembre, en fait lorsque les dorades quittent les étangs pour aller en mer. Donc je pêche dans les canaux et à cette période l'eau est assez trouble, de couleur marron on va dire. Donc je pêche avec des leurres assez flashy. Donc un coloris qui marche bien, donc c'est le blanc. Comme je vous ai dit, coloris toujours passe-partout. Vous voyez, ça c'est le Barn 50. Et avec le Barn 40 aussi, coloris blanc. Donc voilà, on pêche avec des petites jerks de 4 à 5 cm. Bien sûr, vous ne ferez pas des dorades de 2 kg, mais des dorades de 400 à 700 grammes. Voilà, des dorades portions. Et je vous dis, c'est une pêche assez sympa parce que même les petites dorades, ça met des gros coups de tête. Et en ultralight, on sent vraiment les sensations. Donc c'est assez sympa, quoi. Bon, après, le meilleur coloris. Moi je trouve pour la dorade, je sais pas pourquoi, comment vous expliquer ça, mais c'est le rose. Les dorades se jettent vraiment dessus, voilà, sur ce coloris là, Barn 50. Voilà, c'est vraiment le coloris pour moi pour la dorade. Parce que l'eau est trouble, bien sûr. Voilà, notre coloris rose, c'est une Barn 40. Et une autre Barn 40 de chez Caperla, rose fluo. Voilà, pour moi c'est le rose, ça c'est le coloris à dorade. Moi si l'eau est plus claire, j'utilise. Coloris plus naturel, coloris à levain, voilà, comme vous voyez, coloris Jol, comme on appelle chez nous. Voilà. Elle, ma copine, elle préfère des leurres souples au jerk. Donc elle utilise les power isomé. Donc c'est tout simplement des imitations de verre américain, on va dire. Vous voyez, de dur ou de demi-dur. Vous voyez, c'est des imitations de verre. Ce coloris-là, il marche assez bien, coloris marron. Voilà, c'est sympa. Ouais, coloris marron, il marche très bien. On prend le rouge aussi, coloris rouge. En fait, ce qui se rapproche le plus du coloris du vert, en fait, tout simplement. Et là, cette année, on va tester les crabes Savage Gear. Voilà, ils sont vraiment très réalistes. Je vais vous montrer. Ça ressemble vraiment à des crabes verts, quoi. C'est tout ce que raffole la dorade, quoi. Vous voyez, petit crabe vert, comme du coup, bien. Voilà, vraiment un coloris très naturel. Voilà. Donc moi franchement je vous conseille la dorade en ultralight, c'est vraiment sympa. Comme je vous ai dit, elle met des bons gros coups de tête. Et on ressent vraiment beaucoup de sensations en ultralight. Donc voilà, essayez, franchement vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour les coloris de la dorade. Je vous dis, en eau trouble, la meilleure couleur, il n'y a pas à chercher, c'est le rose. Voilà. Et le blanc est bien aussi parce que si au moins il y a un loup qui se présente. Vous aurez peut-être des chances de le piquer. Voilà, ici l'eau est plus claire, bien sûr, coloris à levain. Donc voilà pour les coloris des leurres pour la pêche de la dorade. Maintenant, on va passer aux coloris des leurres pour la sèche. Voilà, tout à l'heure.
Donc maintenant on va passer au coloris des leurres pour la sèche. Enfin, déjà c'est pas des leurres, ça s'appelle des turlutes. Hein. Ouais, des turlutes. Donc moi pour la sèche, je vous conseille deux couleurs. Donc un coloris flashy, qui est le rose. C'est un coloris qui marche super bien sur la sèche. C'est vraiment un coloris passe-partout. Voilà, le rose. Et un coloris naturel. Voilà, ça c'est coloris sèche. Voilà, ça c'est une turlute Fukushima, elle vaut 7 euros il me semble. Ça c'est une Yamashita, ça coûte 15 euros, donc c'est assez cher. Donc moi je vous conseille si vous débutez, donc achetez-vous des turlutes à 2 euros à Decathlon parce qu'au début vous allez accrocher souvent. Et voilà, à 2 euros, voilà, ça suffit. Voilà, prenez comme je vous dis un coloris flashy et un coloris naturel. Voilà, tout simplement pour la sèche. Voilà, donc la sèche se pêche 2 jours. La nuit, c'est la pêche du calamar. Donc là, le calamar, par contre, lui, il est un peu plus tatillon sur les couleurs. En fait, il faudra un plus large panel de couleurs, comme du orange, du naturel, du bleu, du vert. Voilà, donc lui, il est un peu plus difficile. En fait, il faudra trouver tout simplement la couleur du jour, la couleur qui va fonctionner. Donc voilà, je vous dis un grand panel de couleurs pour le calamar. Mais bon, déjà, si vous débutez pour la sèche avec un coloris rose et un coloris sèche, vous pourrez aussi très bien pêcher le calamar. Déjà, ces deux couleurs sont déjà très bien. Voilà, donc on a terminé pour les coloris pour la sèche et le calamar. Voilà, on a aussi terminé, donc j'ai terminé voilà tous mes coloris pour la pêche en mer. Donc voilà, comme je vous ai dit. Si l'eau est claire, utilisez des leurres naturelles, des couleurs imitatives. Et si l'eau est trouble, utilisez des couleurs flashy. Donc voilà, bien sûr, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à casser les règles, à casser les codes. Je vous ai dit par exemple, si l'eau est trouble, donc si l'eau est trouble, vous arrivez, vous allez pêcher avec un leurre flashy, un leurre blanc par exemple. Si vous voyez qu'au bout de 20 minutes, il n'y a pas de résultat. Là, vous allez changer de leurre et mettre un coloris naturel. Voilà, ne pas hésiter à changer. Là, vous pêchez pendant 20 minutes. Si vous voyez que ça, toujours, ça ne mord pas, vous enlevez le coloris naturel et vous repassez sur du flashy. Voilà, il ne faut pas hésiter à transgresser les règles en fait. Voilà. Donc ensuite, et comme je vous ai dit aussi, un truc très important, si vous arrivez sur un spot de pêche où l'eau, par exemple, est très claire, et que vous savez pas pourquoi vous avez une intuition qu'il faut mettre par exemple un leurre flashy. Vous savez pas pourquoi une intuition comme ça, il faut pas hésiter à la suivre. Des fois les intuitions sont bonnes et même si ça vous paraît inapproprié, il faut tenter le coup parce qu'on ne sait jamais, ça peut marcher quoi. Voilà, comme je vous ai raconté avec le Sandra couleur Marlboro, ça m'a permis de prendre mon plus gros loup. Donc voilà. Que dire de plus sur les coloris des leurres? Ouais, le blanc c'est vraiment la couleur passe-partout, enfin pour le loup, et ça marche aussi bien en mer qu'en eau douce en fait. Voilà, le rose c'est la couleur pour la dorade pour moi en eau trouble, même pour la sèche. Voilà, turlute rose ça marche super bien. Donc voilà, là on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, je pense que selon les pêcheurs, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes avis sur les couleurs. Donc n'hésitez pas à commenter pour voir ce que vous mettez vous comme coloris. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde. Beam a Benz a Bentley, beam a Benz a Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beam a Benz a Bentley, beam a Benz a Bentley, beam a Benz a Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly.